Bonjour tout le monde. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Le mois de novembre a été assez chargé au niveau boulot, assez compliqué au niveau santé, etc. Donc j'ai décidé de ne pas faire de vidéo de coloriage terminé pour le mois de novembre. Ce sera une vidéo pour les coloriages de novembre et décembre en même temps, puisque que ce soit jus ou moins, on n'a pas fait beaucoup en novembre, donc au moins on aura des choses à vous montrer dans la prochaine. Néanmoins, voici une vidéo pour vous montrer les participations au concours des 1000 abonnés sur Instagram. Donc on avait déjà clos celui de jus qui finissait début novembre, et donc j'en avais fait un autre qui finissait il y a 2 jours. Donc là on est le dimanche 5 décembre, qui finissait le vendredi 3 décembre. Donc celui-ci est en partenariat avec la boutique près de chez moi, qui s'appelle Avenue des Arts, et je les remercie beaucoup puisque ils offrent à ceux qui ont participé, et plus particulièrement aux gagnants, une boîte de Polychromos que j'ai sous la main, donc neuve, encore sous blister comme vous pouvez voir, et puis il y a d'autres lots, donc tout ça est sur le post Instagram et ce sera envoyé à la personne qui a gagné dans les plus brefs délais. Autant pour le concours de jus, on avait fait un vote parce que ça se basait pas sur la beauté du coloriage, quelque chose qu'on trouve assez subjectif, mais ça se basait aussi sur l'accord entre la phrase trouvée, etc. Donc je vous invite à aller voir ce concours sur notre page Instagram. Pour celui-ci, il fallait faire un coloriage avec un fond noir réalisé avec peu importe le matériau. Donc ça pouvait être du Posca, du crayon, ça pouvait être un fond noir déjà existant. Et tout le reste uniquement au crayon de couleur, puisqu'on faisait gagner des crayons de couleur. C'était le challenge, donc ne pas utiliser de Posca, de stylo paillettes, encre, aquarelle, etc. Donc c'est assez difficile pour certains ou certaines d'entre nous. Mais merci et bravo d'avoir relevé le défi. J'avais réalisé en début de concours un coloriage pour illustrer le défi dans le cercle de la vie, dont je viens de terminer un coloriage, un deuxième. Et donc c'était celui-ci. Je ne sais plus si je l'ai déjà, si j'ai dû déjà le montrer parce que j'ai dû le faire en octobre. Celui-ci, donc où j'ai fait tout le fond en Posca noir et tout le reste est réalisé uniquement avec des Polychromos et des Pablo. Les Polychromos, donc qui sont à gagner. Tout ce qui est sur le moulin, d'ailleurs, quand je passe mon doigt, j'ai l'impression de sentir les briques tellement je les ai travaillées une par une. Et puis le reste au Pablo. Donc voilà, c'était l'exemple, puisque le titre du concours était Dans le noir, toutes les couleurs s'accordent, qui est une citation du peintre Francis Bacon, ou Bacon, je ne sais pas trop, je ne sais jamais comment le prononcer. Moquez-vous, rigolez si vous le voulez. J'ai donc imprimé les 32 participations que je vais plier les petits papiers sous vos yeux pour les mettre dans la boîte. J'ai piqué un petit peu l'idée à Panoramimix, une jolie boîte des machines de Lille, à Nantes pour ceux qui connaissent. Donc je vous montre parce qu'en fait de l'autre côté il y a des coloriages, mais en fait c'est jamais le même, hein, parce qu'en fait j'ai essayé d'imprimer au début, puis c'est mon imprimante a fait n'importe quoi, donc c'est en noir et blanc, mais bon, à chaque fois, c'est pas le même coloriage qui est de l'autre côté, hein, donc puisque de toute façon, j'avais pas imprimé toutes les pages, j'ai essayé plusieurs fois la même, donc comme vous pouvez voir, c'est jamais le même coloriage qui est de l'autre côté, donc je ne peux pas tricher en faisant le tirage au sort, puisque voilà. Donc j'ai comme ça 32 papiers, je vais vous faire défiler tous les coloriages là en capture d'écran, et puis juste après je vous montre le pliage des papiers pour bien montrer que ce n'est pas triché, et puis ma petite main innocente va opérer au tirage au sort. J'ai pas fait de sélection parce que voilà, tout le monde a joué le jeu et tout le monde mérite sa chance dans le tirage au sort. Vous remarquerez peut-être qu'il y a un compte où il y a deux fois le même nom, mais en fait c'est une personne et son fils, qui n'a donc pas l'âge d'avoir un compte Instagram, mais qui a participé au concours, et c'est tout à son honneur. Franchement, voilà, toutes vos réalisations sont super, c'est hyper varié, il y a du Disney, il y a vraiment de tout.
Il y a du Kirby, qu'est-ce que j'ai vu d'autre, du Maria Troll. Il y a, je crois que j'ai vu du Clara Markova, j'ai un doute, mais voilà, enfin, il y a vraiment pas mal de choses différentes. Et vous avez vraiment été, il y a même des, d'autres, hein. Du Annaline, Maria Troll. Donc franchement, voilà, bravo. Et merci d'avoir participé, surtout. Là, les qualités des impressions n'est pas terrible, hein, mais bon. Je vous montre ça en plus joli tout de suite. Et voilà, tout a été plié et mélangé. Je vais mélanger à la main. Et en tambouille, en tambouille, en tambouille, je vais mélanger dans la boîte. C'est un peu de musique, hein. Le suspense, de façon claire. Je rouvre. Je remélange à la main. Non, attendez, hop, je cadre mieux. Non, comme ça. Non, si je mélange pendant presque une minute, au bout d'un moment, hop là. On va peut-être. Ah, remarque, ça peut être celui qui sort quand je secoue. Celui qui sort quand je secoue qui est nul. Ça peut être une tactique, mais bon. Je remélange à la main. Ça me stresse. Ça m'aime pas. Bon. Vous êtes prêts? Deux. Prêts.
parce qu'il y a des garçons aussi. Je ferme les yeux. Hein. Ça se voit pas, mais je ferme les yeux, faites-moi confiance. Allez, hop. C'est bon, j'en ai un seul. J'ai choisi. Et c'est donc Estelle Loisir. Hop, je recadre. Et c'est le même le fils d'Estelle Loisir, donc je suis encore plus contente. Qui remporte le concours avec son coloriage. Je vous montrerai en grand après, avec le mot amour. Donc c'est super. Voilà, remporte la boîte de 24 polychromos, une trousse. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Un petit livre de cartes postales de Rita Berman. Et puis un bon d'achat de 10 euros sur la boutique. Avenue des Arts, qui en plus se situe dans les Pays de la Loire, comme Estelle l'indique son compte Instagram sur la photo. Bravo à vous, un joyeux Noël, merci d'avoir participé, merci encore à tout le monde. Je rappelle que si vous vouliez des choses qui étaient dans les lots et que vous voulez quand même les acheter, que je mettrai tous les liens partenaires en description, qu'à chaque fois que vous utilisez un lien partenaire Amazon, que ce soit pour le produit en question ou même que vous passez par ce lien pour acheter autre chose, ça rapporte de l'argent à mon compte Amazon, ça permettra d'acheter d'autres cadeaux pour d'autres concours ou alors des produits à tester, etc. Ça ne vous coûte pas plus cher, donc s'il vous plaît, utilisez les liens, il y en a en dessous de toutes mes vidéos. N'hésitez pas, même si c'est pour acheter une casserole, ça fonctionne. petit coucou aux colocopines à qui c'est arrivé. Je vous dis à très très bientôt, les vacances de Noël arrivent à grands pas, donc je vais revenir avec d'autres vidéos. Je vous fais plein de bisous, j'espère que vous allez bien et à très vite !